Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le petit test de All Might et sa carte. Bon, je l'ai que en S, que free to play sur ce. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Avant toute chose, comme vous l'avez vu, je suis dans les cadeaux, dans la boîte aux lettres du coup. Suite à l'accomplissement des 20 000 followers, ils nous ont donné quelques récompenses. On va aller les voir de suite. Tout d'abord, on va aller voir ici. Ok. Quelques cellules supplémentaires. En même pas. Bon, c'est pas grave. Ok, du coup, une carte d'invocation, un ticket d'invocation, 100 points de stamina et de la bouffe pour améliorer les personnages. 20 000 followers. Ils ont attendu 5 jours. Ils pouvaient un petit peu mieux faire. Mais c'est mieux que rien. On va critiquer sur ça. On part directement tester. Le personnage et sa carte que je les drop, vous l'avez vu dans la vidéo d'aujourd'hui et partagé à Migi. Et on va aller voir un peu tout ça. On va les récupérer également. Je vais me connecter. Ok, j'ai tout récupéré. On va récupérer aussi. On va partir tester seulement et seulement en PvE, les amis. Comme vous savez, la fameuse carte, comme j'en ai déjà fait une petite description, permet d'invoquer All Might et de l'écraser contre le sol. Enfin, de l'écraser. Il utilise sa fameuse troisième compétence qui se projette lui-même au sol et après provoque une tornade de la fameuse compétence chargée du Heavy Strike exactement. Et ça. Le Oklahoma Smash qui est une compétence. Il l'utilise quand il invoque sa propre carte. Du coup, on va démarrer de suite. Je l'ai niveau 80, 9 cartes. J'ai un bon set de cartes, 5 étoiles. Les deux cartes actives, dont une qui est Break Limit niveau 2, enfin Break Limit 2 et level 24. On va partir tester ça de suite. Du coup, avec tout ça, on va pouvoir donner un avis du personnage vu que j'ai plus ou moins bien amélioré. C'est vrai que j'ai pas toutes les cartes qu'il faut pour All Might, mais c'est déjà mieux que rien. On va également. Bon, ça, j'ai déjà récupéré. On va directement aller en solo. Et on va aller dans le 9.3 vu que. C'est le niveau le plus loin que j'ai atteint. Du coup, la puissance que j'ai atteint avec le mat est de 17 333, comme vous l'avez vu ici. On va directement tester All Might avec ses shrimp 4, 4 étoiles, si je dis pas de bêtises, que 4 étoiles et ses fameuses cartes. On démarre de suite. Les gars, mon Discord est disponible dans la barre de description et également mon Twitter pour me suivre sur l'actualité du jeu et des prochains jeux que je compte partager sur cette chaîne YouTube. Ok, on est quand même à 11 000 en étant free to play et surtout que j'ai fait pas beaucoup d'invocations. Voilà, là je vais utiliser cette compétence. Ça. Après, c'est une attaque sur place. Hein. C'est une compétence active sur place qui n'est pas en mouvement, malheureusement. Cette carte aussi, elle est vraiment pas mal. Du coup, on refait ça. Et nice.
Voilà. Maintenant, après, on va directement aller sur le boss directement. J'ai décidé de faire ce mode de jeu et pas l'autre. Donc celui qui compte et parle du supplice. Parce que il a à peine 11 000 de puissance et je le termine en moins de 10 secondes. Du coup, ça ne sert à rien de tester une unité qui a plus de 17 000 de puissance sur un chapitre qui nécessite que 11 000. Ah oui, c'était aussi pour vous dire que mes autres persos, que ce soit Fumikage ou encore Oshako, ont également leur petit set de cartes 4-5 étoiles pour ces deux-là. Je suis en train de faire petit à petit les cartes avec les invoques. On verra ce que ça va m'apporter au fil du temps et au fil du forme tout au long de ce mois-ci et des prochains mois. C'est assez rapide en vrai. Assez rapide. Du coup, on passe à Oshako, celle qui a le moins de puissance parmi les trois. Donc c'est elle qui va avoir le plus de difficultés d'ailleurs à passer ce niveau. Heureusement que ça donne une frappe. Elle a vraiment une très très grande zone d'attaque. Ok. K. Bon, après, je crois qu'elle est à peine niveau 78. Pas encore maxé, elle est pas encore niveau 80. Du coup, petite coupure, on va directement passer à All Might parce que de base, c'est un gameplay All Might et sa carte que je vais vous montrer par la suite. Et on enchaîne directement sur le boss avec All Might. Je vais vous dire pourquoi en fait la carte de All Might est très intéressante. Parce qu'en fait, elle peut retourner certaines situations. Que ce soit en PvP auto ou en PvE. Donc le PvP auto compte aussi le Warzone Cop. D'ailleurs, je vais en parler plus tard dans une autre vidéo. Même dans plusieurs autres vidéos concernant le PvP Cop, le PvP. Enfin, le PvP auto et le PvP Warzone. Qui d'ailleurs se ressemblent, c'est juste que c'est une composition de 9 persos. D'ailleurs, la vidéo, elle va arriver dans les prochains jours là. Concernant l'explication de ce mode de jeu. Là, je suis en mode auto, comme ça, je peux mieux commenter. Et le fait de tout simplement avoir la carte de All Might permet déjà d'avoir deux tornades, d'avoir quoi, un clone supplémentaire sur la carte et de provoquer largement plus de dégâts que si c'était une carte comme celle du principal Nezu. Ou du sniper et permet de le couvrir sur une petite durée le temps qu'il se remette en place quoi. Oh, on va enlever sa garde. C'est vrai après que le défaut de enfin All Might était un bon perso. On va pas se mentir que c'est un perso très très lent. C'est un gros bourrin, mais ça reste vraiment un perso lent et qui nécessite réellement pour quasiment chacun de ses combos une charge. Qui fait que ça le ralentit plus sur son enchaînement. Du coup, voilà. On va aller en PvP auto, juste un ou deux combats pour vous
montré que le perso est super intéressant avec cette carte-là. Déjà qu'il était déjà très fort de base sans cette carte. Voilà, vous imaginez, imaginez même pas avec cette carte active. On récupère ça. On va se taper aller contre le 86K, ça sera le plus raisonnable. Montrer le plein potentiel. Ok, on est à quoi? 9-10K de différence. On est meilleur. On est meilleur. Enfin, bon, on va dire les meilleurs au début. Déjà, il les regroupe. Là, ça fait une Kage. Et la tornade qui permet de les envoyer dans un coin. Ils ont pris de sacrés coups. Voilà, il s'est fait paralyser. En vrai, il se peut que je perde sur ce combat. Et j'ai heureusement que j'ai bien augmenté son arbre de talent qui va me permettre de, au cas où si je suis à moins de 40% de mes points de vie, de récupérer 30% de mes PV max. Par contre, ça, c'est vraiment dégueulasse le fait qu'elle soit invisible et qu'elle soit quasiment invulnérable. Bah voilà, là, elle va prendre de sacrés coups par contre. Dès qu'elle perd son invisibilité dans son mode de jeu, elle devient complètement inutile. Donc c'est vraiment possible que je perde, hein. L'invisibilité qui reste quand même active, même. Par contre, c'est vraiment cheaté dessous dans ce mode de jeu. Quoi, défaite? Alors qu'il lui restait un seul joueur? Tout très très problématique, je pense que je vais la monter vu que je l'ai déjà S. Ce qu'on va faire, on va changer la formation, on va prendre les persos qui frappent en zone et Q en zone et changer ça. On va les mettre en attaque. On va privilégier l'attaque. En vrai, il n'a pas une team de fou fou fou. Et on verra ce que ça va donner. Allez, bon. En vrai, là, le seul problème, ce sera Tsuyu. Et pour battre Tsuyu, il faudra la frapper vraiment. Ouais, ils ont compteur la zone de Oshako. Vraiment, Mineta, Tsuyu, Oshakuz, dans ce mode de jeu, ils sont vraiment incroyables. Ok, la zone de Oshaku qui les compteurs, les attaques, ils font que s'accumuler. Donc, que continuer de la part de All Might. En vrai, là, ouais, elle est morte. Leur truc est morte vu qu'elle a été bloquée dans le coin grâce à la compétence de la tornade de All Might. Il a bien géré. Et je gagne. Et il n'est pas mort, All Might.
A priori, ouais, c'est lui le MVP. La carte de All Might est vraiment très intéressante. Le fait qu'il lui ajoute énormément de statistiques supplémentaires et d'invoquer son doublon dans le combat pour faire une deuxième tornade, c'est vraiment. Oula! J'ai perdu énormément de combats. Il lui permet vraiment de rivaliser avec des gens qui ont plus de 10K d'avance dans la puissance totale de ce mode de jeu. Sur ce, je pense avoir terminé la vidéo. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos, les amis, comme tous les jours. Prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.